synchronisation. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue au Futur Cube, je suis en compagnie avec... Dark Star Gamer, bonjour à tous. Oui. Et nous sommes donc au Futur Cube. Voilà, donc aujourd'hui on est sur, ouais, on est sur cette chaîne YouTube pour vous faire une petite visite du parc, hein, tranquille. Normal, voilà, pour l'ouverture, quand on parlait. On a tout le long. Ouais, pour vous parler de l'ouverture. On vous en parlera à la fin. Ne vous inquiétez pas, on a une date qui est fixée. C'est pour vous. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, donc, déjà l'entrée que vous avez pu voir sur quelques vidéos. Enfin, vous avez juste vu des vidéos, des photos pour l'instant. Donc, là, ouais. Il est intégré. Alors, à savoir que ce parc est la version 2 du serveur. Hein, parce qu'il y avait une version 1 avant. Ouais. On a juste deux vidéos dessus. Donc, vous pouvez les voir. Avec le magnifique logo. Totalement tout rasé et tout reconstruit. Ouais. Ouais. Avec le magnifique c'est logo. Un boulot de malade. Qui a été réalisé de ta main. Ce par logo. Moi. Qui est très joli, je trouve. Donc voilà. Mmh. Donc on va faire vite fait le tour du parking. Ouais, vachement bien. Parce que bon, voilà, c'est un parking, hein, rien d'exceptionnel. Oui, il n'y a pas grand chose ouais. À faire sur ce parking. On va pas aller trop loin parce qu'après, il y a une surprise. Donc, il y a des choses qu'on vous réserve pour l'ouverture officielle, donc. Ouais. Voilà, tac, on fait le tour. Hein. C'est joli, joli. Mm-hmm. Donc, comme vous voyez, c'est déjà prêt pour l'ouverture. Hein. On se concentre sur la partie par. Voilà. Alors, bah les tickets, bah, voilà, on peut en prendre hein, si on veut, mais là, nous, on est les VIP, donc. Ça sert un peu à rien, on a. Oui. Aujourd'hui. Alors, juste baisser le son principal parce que c'est juste. Parce que. Voilà. De toute façon, normalement, on n'a pas de copyright, normalement, parce que les vidéos, le son, il est fait pour. Voilà. Si vous avez le ressource pack du serveur, vous aurez la musique. Ouais, voilà, bah, voilà. Donc, bah, l'entrée. Celle-ci, elle n'a pas été beaucoup montrée, hein. Cette partie de l'entrée a pas été beaucoup montrée, surtout dans les parties photo du. Ah, excusez-moi. Ouais. Hop, là on voit l'appui. Donc du coup, cette partie de l'entrée a pas été beaucoup montrée sur les photos et sur les vidéos. Donc maintenant, c'est l'occasion de tout vous montrer. Ouais. Avec les restaurants, tout à l'intérieur. Bon, on vous montrera pas la partie staff, tout ça reste complètement secret. Donc le restaurant d'un côté, le magasin qui est vide. Par contre, c'est vachement sympa parce que t'as réussi à trouver des têtes Portugal et Espagne. Ouais, pour cela le point info, qui est pour l'instant fermé, même si c'est tout prêt à l'intérieur. Donc au cas où des gens parleraient portugais et espagnol, hein, on a besoin de vous. Voilà. Même si je pense que voilà. Donc le magasin, vite fait. Enfin, juste pour l'instant, une petite décoration. Il n'y aura pas beaucoup de candidatures, ça. Ouais. Donc, où est-ce que tu veux qu'on commence? Bon. La gauche ou la droite? Je pense qu'on commence par les lapins crétins. Ouais. Direction là-bas. Alors aussi, il y a une petite nouveauté qu'on vous montrera sur la fin, qui vient tout juste d'être achevée. Ouais, tout juste. Mais vite fait. Tout juste, quand on compte tout juste... On compte ça en quelques minutes, hein. Ça a été fini à une heure. Ouais, même pas, ouais, on peut dire ça. Ouais, je comprends pas là, je crois que c'est une heure. Ouais, c'est une heure de repos. Les visiteurs. Ah. C'est pour manger. Parce que moi j'ai pas eu l'occasion de visiter vraiment tout le parc. Ouais. Dans ma vie. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je lègue entièrement la construction à Monsieur Aurélien. Ouais. Donc tout ça, c'est des festettes et on est en vacances, là. Ouais, c'est ça. Bon, on va faire la visite en marchant pour que vous puissiez vous rendre un petit peu du contenu, enfin surtout de la vision du visiteur. Donc après, pourquoi des toilettes, hein. Bon, il n'y a rien à aménager encore, hein, mais tout ça sera fait quand le parc sera vraiment totalement fini. Tiens, d'ailleurs, ici, il y a un fou. Donc, avec un restaurant qui est à côté, qui n'est pas meublé encore. Non, toujours pas. Même
Et les bâtiments seront entièrement meublés quand on aura estimé que le parc sera fini. Là, il n'y a aucune table, aucune chaise, aucun carbone. Le bâtiment est fait, mais il manque tout fait, les meubles, tout ça. Ouais. Donc, après, le jardin des énergies. Voilà, qui va sûrement être refait, qui va être continué. Celui-là, je peux dire que je vais m'en souvenir parce que je l'ai tellement retapé celui-là sur l'ancienne version du serveur. Ouais, mais celui-là aussi, il faudra retaper. Enfin, il manque la décoration, il n'y a rien, il y a juste. C'est la base, c'est plus grand que ça. Et vu que déjà ça c'est grand niveau proportion, après ça va être immense. Ouais. Bon, par contre, moi de ma vue ici aérée, bon, vous pourrez pas voir en tant que visiteur, mais nous en tant que staff, on peut avoir une vue aérienne sur ce qui vous attend pour la ouverture. On vous prépare un petit spectacle. Et comme qui dirait, pas piquer des hannetons. Voilà. Donc, bon, je te propose de passer sur les lapins crétins. Oui. Ah ouais, bon, attends. Parce que là, sur la droite, on peut pas manquer l'extraordinaire voyage. Ah bah oui, le bâtiment est tellement gros que... Et immense. Le bâtiment est immense. C'est un truc de fou. Ouais, c'est le plus gros bâtiment qu'on a fait. Bon alors, par contre, il y a juste une chose donc qu'il faut qu'on précise. Durant cette visite, on ne fera pas les attractions pour vous laisser un peu surprise. Mais aussi, si vous venez à faire une attraction dans ce parc et vous vous dites « punaise, où est le film ?», on va tout simplement vous répondre à cette question. Les films arriveront, espérons-le bientôt, avec un plugin que notre fondateur, notre hébergeur, va essayer de nous coder. Qu'on puisse avoir les vidéos sur Macra. Ouais. Magnifique bâtiment. Ouais. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Ouais, il est bien. Voilà, je suis sur le tour, hein, après, voilà. Donc l'attraction, je crois que ça fait 4 minutes et quelques. Bah le même temps qu'en vrai. Ouais c'est une petite attraction. Le même temps que en vrai. Donc si tu as une demi-heure, si tu as une demi-heure. C'est vrai, bah en même temps, t'es un peu obligé parce qu'il y a les musiques qui ont été mises sur chacune des attractions, donc si tu veux être synchro. Bon alors aussi il faut savoir, chers amis qui écoutaient et qui regardaient cette vidéo, que presque chacune des attractions que vous rencontrerez au Futuroscope, au Futurocube. Seront des attractions où il faudra appeler un membre du staff. Oui, de toute façon, il y aura des horaires. Parce que, il y aura des horaires particuliers pour certaines attractions. Parce qu'en fait, chaque attraction possède une salle de commande, sauf la machine à voyager dans le temps, qui est complètement automatique. Oui. Bon, moi, celle-là, vous pourrez la faire quand vous voulez. Mais de toute façon, à du parc et partout, un peu dans le parc, au point d'info, vous aurez les tableaux des horaires de chacune des attractions. J'hésite même à mettre un petit, tu sais, les commandes blocs qui permettent de rappeler certaines règles aux visiteurs. Oui. Ils s'activent par exemple à chaque fois que le jour se lève, etc. Donc j'hésite même à mettre un commande bloc de ce genre-là. Ouais, on peut aller toute la nuit, mais... Après, il y a la vie. Ouais. Après, il y a la scène dynamique, hein. Donc, ça va. Le bâtiment est à fond. De toute façon, sur ce serveur, tous les bâtiments sont un peu plus gros que taille réelle parce que l'extraordinaire voyage, je me rappelais pas qu'il était si gros. Et ben, surtout que on est presque limite hein, parce que comme vous verrez, ça va prendre beaucoup de place. Avec le système de En fait, quand vous serez à l'intérieur, bien sûr, vous verrez absolument aucun système ration. Mais de toute façon, on aura
un peu de temps entre l'ouverture et cette vidéo pour que vous puissiez ne pas avoir aucun système ratio. On pourra tout gérer durant ces 2-3 jours. Donc du coup, que vous verrez la traction quand elle sera ouverte. Mais effectivement, quand vous allez à l'intérieur en tant que membre du staff, il y a énormément de systèmes ratio dissimulés. Je pense que cette attraction là on l'ouvrira pas tout de suite parce qu'en fait elle est pas 100% finie. Oui. Enfin, il manque juste un tout petit truc, mais. Ouais, en fait, ce tout petit truc, c'est juste le son du film en fait. Hein. Ouais. Qui dure au moins une 45 minutes, je crois. Et donc on l'a pas. 45 minutes, tu te fiches de moi. Donc bon. Donc voilà. Au moins que tu puisses le faire en petits morceaux, je pense. Ouais. Et bon, tout ça, ça prend un boulot absolument astronomique, donc du coup... tiens, d'ailleurs, le mot est bien choisi pour l'attraction. Oui. Voilà. Donc du coup, non, mais c'est toujours absolument impressionnant quand on passe à côté de ce petit immense bâtiment. Ouais. D'ailleurs, l'autre jour, sur la page Facebook du Futurocube, si vous avez Facebook, bien évidemment, j'essaierai de renvoyer la photo à Aurélien pour qu'il puisse vous la mettre en montage. J'ai fait une magnifique photo de l'extraordinaire voyage au crépuscule. Ouais. En plus, sans les shaders, sans rien. J'ai juste un petit peu accentué la couleur, mais à part ça. Ouais. Ça rend joli. Ça rend super joli. Donc voilà. Voilà, maintenant, après on a un. Ouais. Cette partie-là, en fait, c'est une partie qui n'a jamais été montrée pour l'instant. Donc, Est-ce que tu pourrais m'expliquer quelle est cette partie ? C'est les toilettes qui ne sont pas finies. Ouais, ils sont vraiment pas finies. Ouais, les toilettes, c'est. Bon, ça, c'est une partie qui n'a pas été montrée parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment visitée. Et surtout qu'au moment où on l'avait fait, ça c'est tout jeune, hein, ça fait. Je sais pas combien. La preuve, regardez l'intérieur du restaurant. Il n'y a que de l'herbe. Voilà. Mais bon, cette zone sera bientôt un peu plus parcourue parce qu'on vous réserve une petite attraction. Ouvrira juste les portes juste derrière les grands murs verts que vous voyez juste ici. Ouais, et qu'on va juste à peine, on va juste voir le bâtiment, j'imagine que vous allez reconnaître. Voilà. Enfin, du moins, j'espère quand même, parce que. Si vous tu recules déjà, on va vous poser une question, qu'est-ce que vous faites là? Voilà. On scope. Bon, là, vous avez un petit aperçu du bâtiment en question. Je vais juste sauter pour pas trop montrer le bâtiment. Enfin, je peux montrer le bâtiment, mais. Ouais. Pour l'attraction en question, on montrera rien. Ouais. Ça, c'est tout jeune, ça vient d'être fini. Ça a été commencé aujourd'hui, ça a été fini aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on continue avec le petit absent. Oui, excusez-moi. Donc, le bâtiment, qui est tout frais. Oh, mais il est frais, c'est frais, hein. Ouais. Ils sont neufs. Donc je pense qu'on va l'ouvrir aussi l'ouverture. Oui, parce que le son y est. Il y a tout qui est prêt. Juste les petits chemins et encore finaliser un petit peu tout ça. Bah, les petites décorations qui restent à faire et puis. Ouais. Mais sinon voilà. Ouais voilà, sinon après il y aura quelques blocs invisibles à mettre ici. Ouais voilà, c'est ça. C'est que des petits détails. Voilà. Pour la sécurité tout ça. Alors sinon, à ce que j'ai vu, vous avez commencé une attraction qui est pas encore ouverte. Ouais. Ça prend vachement de temps. Parce que déjà, il y a pas les rails. Donc, c'est une attraction les rails qui... sur... Enfin, c'est une attraction à roue, donc t'es sur un bateau et puis tu dois tirer sur les cibles. Quand tu tires sur les cibles, ça fait des projections. Et faire ça, on a encore un peu de mal. On sait faire en particule, mais pas encore en bloc d'eau. Et c'est ce, c'est ce que je cherche moi pour faire en bloc d'eau. Donc du coup, l'entrée est ici. Oui, on fait un petit peu tout le temps ici.
c'est un peu. En fait, le problème sur les serveurs et sur les mondes Minecraft, hein, j'ai remarqué, quand tu coupes la pluie, en fait, la pluie se déclenche plus rapidement par la suite. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas réveiller la couleur des yeux. Comment ça s'appelle déjà ? Mission éclaboussée. Ah oui. Ouais. Bon, après, le monde des enfants qui est pas encore tout à fait terminé. Je vais pas trop montrer parce que de toute façon, on peut se faire voir alors que je refasse. Ça n'a pas été bien fait. Mais sinon, voilà. En plus, il y a une espèce d'air restaurant, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est le côté là où je vous montre qui va être refait. Parce que il y a des problèmes de proportion. Oh, les petits bateaux. Ouais. Ici, c'est, j'avais vu que les, en fait, c'est une balade en bateau. C'est pas du pédalo si je crois. Non, le pédalo c'est normalement ça, ça a pas été fait, mais normalement c'est là où je suis. Bon, ce qui est bien c'est que tu peux accéder à beaucoup d'enfants. Oui, et tout, en tout cas le monde des enfants qu'on construit, on essaye que ça soit fait, mais qu'on n'a pas besoin d'aller que ça soit fait tout seul quoi, que ça se lance tout seul, ça se fait automatiquement. C'est à la base des attractions, je crois qu'il me semble que la personne pour s'en occuper c'est. Non, mais par contre c'est juste un peu automatique. Ouais, voilà, c'est tout automatique, le monde des enfants. Ce dans le monde des enfants c'est très très grand. Ça fait presque la moitié du parc. Ouais. Et ici j'imagine qu'il y aura un. Ah bah non, puisque le sol il est là. Si, donc, si, mais après on va aller voir. Ça va être un pont après. Ah, c'est un pont, d'accord. Mais sauf que là pour l'instant c'est bouché. Hop là. Et en plus il se remet sur la terre ferme. Ouais. Non, c'est cool. Donc bon voilà. Après il y a juste la couleur de certains minecart aussi à modifier parce que le vert c'est pas forcément. Et comme on peut voir, les minecart ils sont du couleur le logo du Futuroscope. Ah bah moi ils sont encore verts. Ah. Ouais, c'est. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai oublié. Alors, t'as une des deux, mec. Mmh. Va falloir que je me mette en ligne comme il faut. Donc, avec le parce petit que F. Moi, comme, moi, j'en suis déjà à la V9 de mon pack. Oui. Et. Bah, là, en fait. Mais d'ailleurs, en parlant de pack, on vous parlera d'un futur parc. Jeu de mots. Pas forcément, on vous en parlera sur la chaîne du parc en question. Oui. Donc là, comme on a vu, on retournait à l'entrée principale. C'est la rue principale, hein, là où on est. C'est la route principale. Donc, et après, bien sûr, vous pouvez quitter le parc sans aucun souci. Ouais. Par la droite. Et par la gauche aussi. Tout à fait. Donc là, juste. Par un système de pistons très élaboré hein, qui nécessite une poudre à redstone et une torche. Ouais, très compliqué, attention. Ouais, pourtant c'est une qui marche bien. Oui. Donc là on a fait à peu près tout le tour. On a fait tout le tour. Tant que je regarde un petit peu notre plan. Oui, je confirme, on a fait tout le tour. Ouais. D'ailleurs, il va falloir le mettre à plan. À jour ton plan hein, parce que il n'y a pas de dynamique. Mais vu que ça a été fait aujourd'hui, je sais pas. Bon bah maintenant vous savez le nom de la patte. On va y être spoilé. Enfin, en même temps. Donc alors aussi on vous dit il y a des blocs invisibles partout devant l'entrée du parc. En base on devait ouvrir le 12 août, mais comme vous pouvez le remarquer, le temps que vous voyez en face au montage, je pense qu'on fera le 29. Donc du coup ça vous laissera un jour pour venir tout simplement pour enfin, parce que l'ouverture on vous le dit maintenant c'est mercredi à 15h. Voilà parce que on décide ça. On va même décider aujourd'hui. Parce que on s'est dit pas le congrès du Futuroscope qui est composé de deux personnes s'est réuni. Yeah.
Les membres du staff souhaitent à tous la bienvenue au futur occulte. Ouais. Et comme vous voyez, on n'a pas d'image. Et ça, c'est un problème. Non, parce qu'en fait, on avait un plugin avant qui permettait de mettre les images qu'on voulait sans avoir à prendre le resource pack. Le problème, c'est que cette version et ce plugin faisaient complètement planter le serveur. Donc, du coup, c'est pour ça que notre cher fondateur et gérant du serveur a décidé de l'enlever. Oui, parce que ça faisait planter le serveur, tout simplement. C'est comme une fois, on a failli perdre le plugin Traincart, mais heureusement, il a trouvé une version qui ne fait pas bugger le serveur. Oui, ça c'est super, c'est juste super. Oula, on voulait... Maintenant, faudrait juste essayer de faire la même chose pour le plugin des panneaux et tout sera bien. Oui. Et donc voilà. C'est mon revenu à l'entrée, ça. Voilà, il y a. Bon, tu veux quand même qu'on leur montre un petit peu ? On vous emmène à l'arrière du parking. Allez, maintenant c'est toi qui vas, c'est ton projet. Ah, c'est mon projet. C'est mon projet. Bon, alors, je pense qu'Aurélie, tiens, toi tu as le pack de futur. Oui. Donc c'est pour ça que vous voyez l'arena, un peu cercle bleu et un Dracula et une araignée. Mais c'est tout à fait normal parce que sur l'autre ressource pack, donc comme vous pouvez le voir sur les panneaux, le repas pack G9, c'est un pack de ressources qui permet d'avoir les ressources et les textures de repas pack. Ce parc d'attraction, c'est à côté de l'Alsace, c'est un parc d'attraction allemand qui se situe à 30 minutes de Strasbourg et qui a été classé et plus de 3 fois meilleur parc du monde. Un très bon voilà, ici n'ont pas d'autre à dire. Là on est dans la petite surprise qu'on vous réserve pour l'ouverture, donc vous Fire Mega Coaster, une attraction phare du parc. Mais la naissance de Blue Fire est arrivée par hasard. À la base c'était un pro, de base on a eu Train Cart comme plugin et Aurélien avait terminé la machine à voyager dans le temps avec Traincart et j'avais fait l'attraction avec Traincart et j'avais absolument adoré. Et je me suis dit, si on a Traincart, maintenant faut qu'on fasse Blue Fire Mega Coaster pour voir ce que ça donne. Et on a fait Blue Fire Mega Coaster et on était tellement emballé dans le truc qu'on a commencé par faire les bâtiments, les cailloux, les décors, etc. Et on a morflé pour une semaine. Oui. Ah, tiens. Une semaine de construction à faire tout ceci, ça a été très 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 compliqué. Bon, après il y a eu quelques modifs hier, j'ai modifié deux trois détails hier. Oui. Et après on a une deuxième nouveauté toujours d'Europa Park hein, qui est juste sur la gauche. C'est le Dancing Dinghy, une des petites attractions de l'Irlande, un des nouveaux quartiers. Donc du coup voilà. Vous aurez la musique et les textures, bien sûr, si vous téléchargez le ressource pack, qui sera bien évidemment dans la description de... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tout ça sera ouvert dès le, que je ne me trompe pas, mercredi, on sera le 30. Oui. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ouvert, n'oubliez pas. Oui, bon, voilà. J'imagine que certains reconnaissent qui c'est qui est venu. Mmh. Et aussi... Enfin, si vous êtes un grand fan de Europa Park et de Minecraft. Oui. Aussi, il y a un petit endroit où vous pouvez prendre un livre et écrire. Alors, tiens, tu sais quoi, je crois que... En fait, je pense que ce petit endroit, on va le supprimer. Parce que, bah d'ailleurs, on va vous en parler maintenant. C'est la dernière chose qu'on va dire dans cette vidéo avant de quitter. Oui, c'est vrai. Justement, on est actuellement en train de construire le serveur Europa Park. Oui, qu'on va pas montrer. Donc, le monde est toujours en construction, mais on va pas le montrer pour le moment parce que on laissera pour d'autres vidéos. C'est la surprise. Mais j'aimerais juste que tu modifies ton site internet en disant qu'on est partant. Ça, c'est... Parce qu'il faut savoir que chacun des deux parcs a un site internet. Oui. Sinon... Voilà. C'était tout. Tu peux dire au revoir aux gens. Oui.
avec j'ai des craft là. Parce qu'il était devant le fire. Ouais, devant le fire, c'est bien. Là, c'est très bien. Donc voilà. Ça fin de cette vidéo. C'est une visite courte. Oui. Mais bien. Bien riche. Et puis voilà. Donc rendez-vous le 30 juillet. août. Excusez-moi. C'était une erreur. août. 30 août. Voilà. Donc, à plus.